Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte dédiée au pack Porsche. Deuxième partie sortie sur Assetto Corsa. On va passer en revue les bolides restants dans ce pack qui, je vous le rappelle, est disponible sur Steam pour 6,99€ ou en Season Pass avec la troisième extension qui sortira au mois de décembre prochain. On va tout de suite prendre la direction de Monza pour vivre ensemble la première découverte d'une des voitures de ce pack. Et c'est parti! Oh, ce son! Alors, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. On est à bord de la GT3 RS, la 911, édition 2016, qui est absolument somptueuse. Voiture que vous avez l'habitude de retrouver en version course à la FFSCA pour le mode flat 6. Oh, attention, oui, ça c'est ce qu'on veut. Alors, moi, je suis un gros fan de cette voiture pour son équilibrage, en fait. Et j'ai toujours apprécié les conduire dans les jeux où elle était bien retranscrite. Et on va voir si c'est le cas dans ce Assetto Corsa avec un modèle magnifique. J'ai choisi un très joli mauve pour peindre cette voiture. J'ai lâché le blanc ou orange traditionnel des GT3 RS. Allez, on est sur la première vraie chicane ici à Monza. On va arriver du côté des Lesmo avec une voiture bien équilibrée. Ça va, pas trop de sous-virage. Elle se laisse partir quand vous rentrez dans le virage. Et une fois que vous êtes en milieu de virage, un petit coup d'accélérateur et l'arrière se met à chavirer. Elle est absolument parfaite. On va un peu large ici dans le deuxième Lesmo, mais c'est pas grave. Et encore une fois, alors que l'on est dans Ascari, je vous ai laissé profiter un peu du son. C'est vraiment somptueux. En on-board, en tout cas, on est allé, voilà, un petit peu au large. Absolument super. Franchement, je suis vraiment convaincu de cette voiture. Je trouve qu'elle a un très bon équilibre. Elle a une bonne vitesse de pointe. Au niveau technique, ça marche très bien. 500 chevaux pour ce 6 cylindres Porsche qui chante magnifiquement bien. 1,4 tonnes sur la balance, ça va encore. Et alors on est à une vitesse de pointe hallucinante de plus de 300 km/h. Et quoi de mieux que Monza pour tester un bolide pareil? Franchement, c'est du très joli. L'intérieur est magnifique. Et elle envoie du très très lourd au niveau comportement. La tenue de route est vraiment assez hallucinante dans les courbes rapides ici à Monza. On sent vraiment le grip de cette voiture absolument somptueuse. Bah écoutez, je pense qu'après ce premier tour, vous avez déjà un premier ressenti de ce que donne la voiture. Je vous laisse désormais profiter, ouais, alors que l'on saute sur les vibreurs et que ça glisse un petit peu, je vous laisse profiter du son extérieur de cette superbe Porsche. Thank you.
Allez, on ressort pour un grand moment d'histoire. On est à la Spa-Francorchamps. Vous aurez reconnu cette sortie d'Epit. Pourquoi Spa-Francorchamps? Alors parce que, premièrement, je voulais tester la vitesse de pointe de cette 962C version Short Tail. Et on va devoir descendre un rapport de boîte dans le raidillon. Parce que les vitesses sont assez longues. Ici, on a une vitesse de pointe absolument démentielle sur cette voiture avec près de 350 km/h. Et regardez dans la montée du Camel, elle est magnifique cette voiture. Elle fait un son incroyable. Et elle tient très très bien la route au niveau des freinages. C'est vraiment plaisant. Alors pourquoi avoir choisi de faire cette voiture-ci sur Spa spécifiquement? Parce qu'en fait, ça nous rappelle un tragique accident. Et toute une période, évidemment, en tant que Belge, je ne peux pas faire sans penser à Jackie X, qui avait remporté de nombreuses courses en championnat d'endurance, championnat du monde d'endurance à bord de cette voiture sous les couleurs du cigarettier Rothmans. Oh, ça va large dans le speaker corner, mais c'est pas grave. Et également, au pilote allemand, Stéphane Beloff, qui en 85, lors des 1000 km, ici, a eu un terrible accident dans le raidillon avec Jackie X sur cette voiture. Et j'ai toujours été fasciné par cette Porsche 962C dans cette couleur-ci. Ça n'est pas ma préférée. Personnellement, je suis un gros fan de la Just Newman qui était sortie en 85 avec Pescarolo, Senna notamment, qui est absolument superbe. Il y a d'autres livrées de cette voiture qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de versions. Hein, la voiture qui a, depuis début des années 80 aux USA jusqu'au début des années 90, et bien pendant presque une décennie, cette voiture a trusté tout ce qu'il y avait à gagner en endurance à travers le monde, et c'est vraiment un bolide absolument somptueux. Et ici dans l'Assetto Corsa, eh bien, on en a encore l'exemple avec cette version que courte. Donc je vous ai expliqué dans l'autre vidéo ce qu'étaient les longues et courtes que je vous invite à aller y rejeter un coup d'œil. Et je préviens tout de suite, les commentaires salaces qui pourraient éventuellement popper dans les commentaires seront nettoyés. Allez, en parlant d'être propre, je vous invite à monter le son et à profiter d'un petit tour, d'un long tour même de Spa avec cette 962C absolument magnifique. Allez, on passe d'une époque à une autre avec la dernière voiture que je vous présenterai dans ce pack Porsche, la 718 RS 60 Spider, qui est la voiture qui a succédé à la célèbre 550.
que pilotait notamment James Dean. C'est même à son volant qu'il a malheureusement perdu la vie, l'acteur américain. Donc c'est une voiture de compétition assez marrante. Elle rappelle un petit peu les coques qu'avaient les coccinelles à l'époque. Bon, c'est un avis purement personnel, hein, mais cette 718 RS est assez, assez joueuse, assez diabolique. Elle a beaucoup de couples, même si avec pas beaucoup de chevaux, on arrive à s'amuser. Il n'y a que 150 chevaux sous cette carrosserie, mais cette carrosserie est très légère puisque la voiture ne pèse que 580 kg et donc c'est un peu comme les Alpines, ce genre de principe de voiture extrêmement légère avec pas forcément beaucoup de chevaux pour s'amuser. Ça marche bien et ça arrive quand même jusqu'à 210-230 km/h avec son aérodynamisme extrêmement bien profilé pour l'époque. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a un grand volant ici, on a un tableau de bord qui est somptueux avec tous les fusils, enfin c'est vraiment magnifique. Ici on la sent qu'elle est un petit peu préparée pour la course. C'est vraiment le souci du détail dans cette version-ci de la voiture qui, je vous le disais, donc développe un petit 150 chevaux, ce qui est pas énorme. Attention, là je vais peut-être devoir baisser, voilà, une vitesse, sinon je vais aller dans le gravier. Allez, on va repartir. Alors pas facile à piloter, c'est pas parce qu'elle n'est pas rapide forcément qu'elle est forcément simple à conduire. Alors certains à l'époque se contentaient de cette voiture dans d'autres versions et plaçaient en fait une toile sur le siège convoyeur et retiraient le pare-brise pour avoir moins de prise au vent. Il y en avait des voitures absolument dantesques. Elle a bien marché aux États-Unis cette voiture aussi, donc vraiment un mythe, et c'est assez agréable de voir qu'on a autre chose que forcément des 550 Spider qui sont aussi dispo en mode d'ailleurs pour assez tôt, qui nous sont présentés dans ce pack Porsche. Et écoutez, je vais vous laisser profiter un petit peu de la bête en train de danser sur Brandsage et dans Paddock Hill. Vous voyez, ça descend tout seul, il n'y a qu'à la laisser filer, c'est absolument somptueux. C'est vraiment magique. Écoutez, je vous laisse profiter du son et on se retrouve en fin de vidéo pour conclure sur ce pack Porsche. Ouais, ça glisse, c'est génial. Et nous touchons donc à la fin de cette découverte dédiée au pack Porsche, le deuxième sorti pour Assetto Corsa, disponible donc sur Steam dans la description également, pour 6,99€. Merci de votre attention. On se retrouve très vite pour vivre d'autres aventures. D'ici là, n'hésitez pas par exemple à me dire en commentaire la Porsche que vous avez préférée. J'ai un petit faible pour la 911 GT RS qui est absolument magnifique, et encore la 962C qui m'a bien bluffé. Tout le monde peut y trouver son compte dans ce pack Porsche, il y a à toutes les générations et toutes les performances. Merci, et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, salut!